Moi, Rainbow Six, c'est la vie. Oh yeah! Si ça s'appelle Rainbow Six, c'est qu'il y a une raison. Parce que je m'appelle 6-4, espèce de con. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Ok, bon, alors, on va lancer le jeu et je vais aller me chauffer. Parce que, bon, comme vous le savez, ça fait. Ça fait une semaine que je suis sur code. Et il n'y a rien de pire en plus que de regarder des finales de Pro League. Où tu dis, c'est facile, je le fais. Et après, tu retournes et tu fais, ah ouais, non, en fait, c'est pas facile, non. Vous avez jamais eu cette impression? Ça te donne envie de jouer, tu sais. Et après, tu te fais saucer et tu fais, ouais, non, en fait, vas-y, je désinstalle. 37 000. Qu'est-ce que je peux acheter avec 37 000 de renommée, là? Putain, ça me saoule, ça, sérieusement, là. J'ai aucune patience pour aller chercher un truc qui me plaît. Donc, vous savez quoi, je vais prendre des packs, là, et voilà, ça sera très bien. Bon, vas-y, get pack, hein, on va faire ça, 22K. Tac, bam, 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 allez, tac, ça m'a saoulé. 14K qui reste. C'est relou, leur prix, là. La déception incoming. Non, là, je sens que ça va être que du jaune. Nope. 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 On se pose la question quand même, hein. 1200 viewers qui viennent pour me voir me faire saucer la parce que ça fait 12 jours que j'ai pas joué au jeu. Alors là, il y a du monde. Alors là, bravo. Alors, belle mentalité. La semaine dernière, quand j'ai envoyé 25 kills et des nukes à tout va sur Call of Duty, bon, alors là, ils s'en foutent. Et ça me chagrine. Hein ? Allez, on va suivre ça, on va regarder ça, on va aller voir tout ça, on va regarder ça, voilà tout ça. Oh ! Waouh ! C'est tout neuf. Waouh ! Sexy. Mais j'aime pas du tout le fusil, quoi. Si ça aurait pas pu... Un fusil avec un lance-grenade en dessous, bordel de... Mais c'est quoi ce bordel? C'est un truc qui existe. J'aurais tellement aimé un truc qui existe, quoi. Ok, donc en gros, ça se pose comme ça, les trucs. Tut, et la range est pas très grande. On peut le récupérer comme une goumaine, en fait. Hein. Et regardez, en bas de l'écran, c'est comme une goumaine. Ouais, donc du coup, ça stoppe tout, quoi. Regardez. Elle balance du stuff, toi. Regardez, hop là. Oh, il a pris le snipe. On lui colle une tête à la haute là. Vous êtes prêts? Oh, elle a pris sa balle. Ah non, dans le couloir. Deux ? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, bon, faisons une custom, comme ça, ça permettra au moins de faire voir les bons opérateurs. On s'en fout. 1.1 de KD. Hein ? 0... 2... Sreten, c'est normal ton 0.2 de ratio, là ? Enfin, je veux dire, il y a un moment... T'es un ancien joueur de Rocket League, c'est ça ? Tu joues qu'avec les drones ? Il y a un moment, tu fais les kills ou pas ? Je joue à 15 FPS sur un PC portable. Ah ! Ceci peut expliquer cela, effectivement. T'as démonté, à 20 de temps en temps ou pas ? Oui, ça m'arrive. Ah, c'est cool ça c'est cool. Ouais, ça c'est moi. Ouais, tu m'étonnes. 20 FPS, ça doit être bien. Bon, c'est parti, Forlay, quand tu veux. Ça va, les noobs ? Bonjour. Bien ? Sreten, parle pas trop, Sreten, parce que je pense que tu vas perdre encore un ou deux FPS. Hein. Garde-les bien, garde-les précieusement, tes FPS. Ça c'est fini, il n'y a plus d'entrée là. C'est très bien ça. Alors bon, c'est ça en fait, ça c'est le truc. Ensuite, vous pouvez faire ça pour changer le... pour zoomer. D'accord. Et ensuite, vous pouvez même faire... C'était quoi déjà? On avait testé, genre, ça, pour changer le réticule. Si on est habitué à celui-là, ou celui-là. Voilà. J'aime pas les deux. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, imaginez Theme Park sans le train. Et voilà, et maintenant on est bloqué là. Et donc je suis obligé de faire espace pour sauter par-dessus. Allez, essayons de faire des trucs propres, les gars. Essayons de faire des trucs sympathiques. On va attaquer par là. Ok, d'accord. Jackal, tu drones ? Cam de base détruite. Fond, c'est clear. La salle là, on peut rentrer. Les toilettes, c'est clear, mais c'est le site à côté. Valkyrie, ouais. Lésion, la même pièce. Fais gaffe, mort.
Ah. Il décale dans le bureau. Il y en a un à gauche, tout à gauche. Tout à gauche, c'est ce Mozi mort. Ouais, là à droite, à gauche. Ce truc à verrou là va m'énerver, je trouve. Y'a la coque sur la batteuse d'IQ. Non, bah déjà y'a pas la batteuse, c'est le log. Et y'a pas la coque. Ce qui fait bien chier. Y'a une trappe ou pas? Ça y est toujours. Ouais, la trappe elle est. Non, y'a plus de trappe. Ça j'avais pas vu. Non, en revanche, tout est pétable en fait. Bah non, c'est. Y'a tout des est pétable pour moi. Hein. Ça va rentrer sur la scène shot. Ying, low life. 50 HP. Oh non. Et ça a pas arrêté mon truc? Ça arrête pas les candélas? T'as mis les mans après la candéla. Ouais, je pense. Non, je pense que j'ai mis les mans avant la candéla. Mais tu sais que ça. Y a le temps de la propagation là. Vu que la range est extrêmement grande. Alors là, t'as plus que. T'as zéro fenêtre quoi. On va utiliser le gadget un peu. Ah oui, ça arrive. Ce truc là, ça va tout changer. Hein. Le fait de devoir appuyer sur espace quand t'arrives en haut d'une arête là. Et du coup, si tu vas jusqu'en bas. Ah oui, alors. Il disait que ça sort de la stance, mais c'est juste de la stance en haut. En bas, ça refait toujours la même chose quoi. Hein. Ça le fait automatiquement. Bon, alors je tourne pas du tout, je m'en fous. J'aime pas où est le bomb site. Et donc, vous voyez, là, il n'y a plus de train. Plus du tout de train en fait. Si on se promène là, l'endroit où il y avait le train avant, donc là la fin du couloir, bah il y a plus de train. C'est assez perturbant, mais les couleurs ont été refaites et c'est vraiment très bien quoi. C'est vraiment très très bien comme ça. Et donc avant, vous vous souvenez, vous étiez là. Ça c'était le bon site et là c'était la porte du train quoi. Là on reconnaît bien le truc avec des distributeurs en plus et tout. Et maintenant bah c'est plus la porte du train, c'est t'arrives ici en fait. T'arrives sur l'autre bombe site qu'on reconnaît là un peu, maintenant qu'il y a un machin, mais bon, il y avait la fenêtre qui était là quoi en fait. Bon, ça a plus rien à voir avec Theme Park en moi je trouve, mais bon. Hein. Ça on reconnaît extrêmement bien. Non, c'est. Franchement, c'est du bon boulot. Oh, ça aurait été bien d'utiliser le truc sur Capitao là. Parce que Capitao maintenant se fait dodge par ça quoi. Ah putain. Il. Bon, on le verra pas. Lol. Oh oui, ils ont 1000 volts ici, c'est cool ça, non? Oh, le CZ, je supporte pas cette arme. Oh là là, nice le aim. Trop de rota là? Elle a été chète la rota. Nope. Là, please. Alors c'est parce qu'on n'a pas le temps de voir l'utilisation du gadget. Après c'est un gadget qui va surtout être utilisé je pense en late game quoi. Donc là ce qu'il aurait fallu c'est limite aller l'utiliser sur une map comme Café où ça va faire très mal quoi. Une map comme Café où il y a pas mal de late push avec du Capitao et tout. Ça va faire très très mal je pense. Donc c'est quand même une succession énorme de pièces carrées quoi. Pièces carrées, c'est carré. Les anciennes toilettes qu'on reconnaît, pièces carrées, ça a été décalé.
Le bait a pas marché. Alors moi ce que je trouve énorme avec cette arme, c'est vraiment le fait de péter en one tap les portes quoi. Ça je trouve ça assez marrant quoi. En fait je pense que sa primaire va devenir le CZ. La secondaire sera son arme, sera le snipe en fait. Alors attends, on va tester ça, regardez. Et là ça pète tout derrière. Et ça pète tout ce qu'il y a derrière. Ok. Capitao en élite, il y est pas hein. Ah ok, bien vu. Oh elle est bien stylée. Avec les cigares, le porte-cigare et tout, c'est normal. Franchement il est stylé hein, il est bien stylé, moi j'aime beaucoup. Allez, donc ça c'est l'animation. Ruga bonito! Moi j'aurais aimé un truc, tu vois, genre il la prend, un petit amorti de la poitrine, il se la place bien, tu vois, petite retournée acrobatique, BAM!